Okay, now we're good. Welcome guys, j'espère que vous allez bien. Vous voyez certainement rien, comme d'habitude dans mes vlogs, ça grosse beaucoup à voir. Mais c'est parce que je viens de me réveiller, il est actuellement 8h. En fait, je sais pas il est quelle heure, merde. Et j'ai raison, il est actuellement 8h, je suis trop forte. Je me suis réveillée à 7h, j'ai dû me réveiller à 7h. Bref, je suis assez fatiguée parce que je rentre du SNU. Là, hier, je suis revenue du SNU. Mais là, pour le moment, on se retrouve pour un putain de vlog que j'avais tellement, mais tellement hâte de vous filmer. Parce que je vais faire ma première Pride à Paris. Ouais! Je suis tellement heureuse, tellement excitée, tellement tout en fait, parce que c'est tellement un événement que j'attendais. Et cette année, j'y vais, et pas avec n'importe qui, avec mes meilleurs amis. Voilà, voilà. Du coup, là, pour vous donner un peu le contexte, je pars d'ici à 9h40 pour aller chez une de mes potes, chez qui les autres ont dormi. J'ai pas pu y aller, moi, parce que j'étais fatiguée et que je rentrais du SNU. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon shampoing et ma douche. Je vais préparer mes cheveux, etc. Et peut-être je vais commencer à faire quelques trucs de mon make-up. Et je vais vous montrer ma tenue. J'ai trop, trop hâte. Ça va être génial. Donc, on ira en voiture et après, on prendra les transports. Parce que la voiture dans Paris même, c'est un enfer. Surtout si, du coup, des rues vont être complètement bloquées pour la Pride. Le bordel. Voilà. Allez, c'est parti. Je vous débranche. J'ai mis ma batterie externe à charger toute la nuit. Donc, normalement, j'aurai assez de batterie. Et j'ai vidé le stockage de mon téléphone, donc voilà, je me suis préparée quand même un petit peu hier soir. Oh les gars, il fait trop beau dehors. Bon, je pense que je vais tout de suite en fait aller à la douche. Voilà, et regardez, attendez ce que j'ai acheté. Je l'ai pris sur Vinted, il était pas cher du tout. Regardez ça, une synthèse vague LGBTQIA+. Period. Et du coup, j'ai pas de drapeau sur moi. Mais j'ai une amie, en fait, elle a acheté deux drapeaux sans faire exprès. Et elle va m'en donner un. Regarde-moi comme il est grand en plus. Je vais pouvoir mettre plein de trucs. Parce que ça me saoulait de prendre un sac à main. On se retrouve dès que j'ai pris ma douche, mes soins, etc. Les gars, à toutes. J'aime pas personne. Et j'aime pas. Un peu oui, à peine. Yeah, I can love me better than
You can get lovely things. On est actuellement le 28 comme vous pouvez le voir. Ici juste pour faire une petite conclusion, voilà, parce que je trouvais ça dommage de finir la vidéo sur un plan banal comme ça, genre mais un peu de contexte, un petit peu d'explication peut-être. Du coup, je suis là pour ça. Alors écoutez, par quoi commencer? Déjà, on n'a pas fait la prête jusqu'au bout parce que mes amis et tout étaient fatigués. On est rentrés, c'est pour ça qu'on s'est arrêté à Bastille. Donc c'était à peu près la moitié de la prête je pense. Je sais pas en fait. Mais sinon on est parti de Nation. Alors déjà on a attendu 40 minutes MDR parce que de base ça devait commencer à 14h. On est arrivé à 14h20. Ça n'a commencé à avancer qu'à 15h. Je pense qu'ils attendaient vraiment que tout le monde soit là et tout. Vous avez pu le voir dans le montage que je viens de faire. Et j'ai eu trop de crush. Vous en avez vu que deux dans les plans que j'ai filmés et tout. Mais il y en avait plus. Ils étaient au moins 5. Genre waouh. Il, elle. Mon dieu. Les gens sont beaux. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Les gens sont beaux. Waouh. J'ai pas eu d'ice contact avec mes crushs. Bah en même temps logique. Enfin bon, après j'étais quand même super bien maquillée. Donc je sais pas, non, techniquement j'attirais un peu l'œil, non? Donc j'étais un peu dégoûtée. Je vous mens pas. Ah mais d'ailleurs en parlant d'attirer l'œil, c'était trop bien parce que genre vous voyez sur le chemin de la parade, il y avait des gens avec leurs appareils photo qui prenaient des photos et tout. Et du coup il y a 3 ou 4 personnes qui m'ont pris en photo. Voilà. Du coup j'étais trop saucée, vraiment j'étais en mode ah et tout, je prenais la pause. Écoutez, on vit pour les caméras ici, d'accord? J'ai une chaîne YouTube, j'ai Instagram, j'ai TikTok, donc oui je vis pour les caméras. Qui va dire quoi même? L'ambiance, qu'est-ce que je peux dire de l'ambiance à part que c'était génial. Même s'il n'y avait pas les chars, du coup j'ai jamais connu une pride avec chars, à Paris en tout cas. Peut-être que dans le futur je ferai des prides autre part, voilà, même dans d'autres pays peut-être, on ne sait jamais. Mais en tout cas à Paris c'était la première pride sans char. Et je pense que ça va vraiment être comme ça pour les autres années. Mais je pense qu'ils vont trouver des substituts, peut-être des chars électriques, peut-être des trucs plus écolos, enfin bref. Mais il y a quand même des musiques et tout, genre il y a des gens ils ont pris leur enceinte donc c'était bien. Vous avez vu, il y avait un moment il y avait Flowers, il y avait Bad Romance, j'ai pas entendu I Follow Rivers, ah si peut-être, je sais plus. Mais non c'était trop bien malgré l'absence de char, les gens étaient super gentils, souriants, joyeux, bienveillants, tout ce que tu veux, genre vraiment j'étais sautée, j'étais en mode mais vous êtes tous agréables comme ça là, vous êtes tous gentils, c'est dingue ça, c'était vraiment incroyable, genre vraiment tout le monde était tellement, bah, tout le monde dégageait de la bonne humeur, du coup c'était trop bien, genre vraiment j'avais le sourire comme ça pendant toute l'après-midi. Ensuite, les pancartes. Est-ce qu'on est obligé de parler des pancartes? Vous en avez vu? Les gens sont pas drôles. Voilà, je me tapais des barres. D'ailleurs, il y en a une que j'ai oublié de mettre au montage, mais parce qu'on la voyait mal sur la photo, il y avait marqué la seule chose contre nature, c'est de mettre des ananas sur de l'ananas sur la pizza. Un de mes moments préférés. C'était. En fait, il y avait une personne qui avait un micro et vous entendez une partie du discours, mais j'ai pas trop filmé parce qu'en fait, j'entendais rien. C'est sur la vidéo, on entend, mais moi, j'entendais rien dans la foule. C'était un discours d'une personne sur les victimes du sida, les gens qui en meurent, qui ont des complications très graves, qui ont des handicaps à cause du sida. Et après ça, il y a eu la minute de silence, donc vous avez vu normalement dans la vidéo. Le fait qu'une foule entière, genre, soit silencieuse comme ça, et tu sens l'émotion en fait. Genre, c'est pas juste tout le monde est comme ça, voilà, tu sens vraiment l'émotion. Et ça m'a tellement émue. C'était vraiment un moment magnifique, très très émouvant. Surtout que moi, je suis très sensible. Donc, il m'en faut pas trop hein, pour lâcher ma larme. Je n'ai pas lâché ma larme. On n'était pas loin.
À part ça, qu'est-ce qu'il y a à dire? Il y a plein d'influenceurs là qui étaient à la Pride. Eh vas-y, avec mes potes, on a croisé personne. Vous voyez, à un moment, on voit une dame à une fenêtre avec un drapeau LGBT. C'est pas quoi? Il y a deux jours, je regarde TikTok et tout, je vois cette dame à cette fenêtre-là, il y avait Libellule. C'est pas là sur les réseaux, je vois, il y avait Paint. Bon, c'était sûr, il y avait Paint. Après, bah, c'est un peu plus complexe dans le métro quand on est reparti. Du coup, quand on est parti de Bastille et on a pris le métro et tout pour rentrer chez nous, on avait gardé nos drapeaux sur nos épaules, tu vois, parce qu'on n'avait pas pensé à les enlever. Genre, tu vois, on venait de partir, donc on n'a pas eu le temps de forcément enlever et tout. Et pendant qu'on nous achète des bouteilles d'eau, il y a un gars, il dit: ouais, qu'est-ce que vous faites avec ces drapeaux et tout, nanana. Et moi je dis, bah c'est la gay pride, genre souriante et tout, je sais pas, moi, bah c'est la gay pride, imbécile, non. J'étais vraiment genre, bah c'est la gay pride et tout, avec le sourire, parce que moi j'étais grave de bonne humeur. Et il dit, ouais, mais c'est n'importe. Je sais même pas ce qu'il commence à baratiner l'autre. Moi je suis en mode, là pour le coup j'ai side-eye, là pour le coup il a cassé mon mood arc-en-ciel. Qui vous a demandé d'être méchant comme ça? Bref, après voilà, évidemment je m'attendais pas non plus à une réaction positive, genre en mode le monde me sourit, bah non, il y a encore énormément d'homophobes et c'est tellement triste. Bah d'ailleurs ça se voit, d'ailleurs il y a une personne que je connais qui m'a répondu à ma story en mode tu manifestes pourquoi, j'ai dit c'est la gay pride et tout, du coup c'est, bah tu vois, c'est pour l'égalité pour tous, et ça commence à me parler de honte pour la France et les gens qui se sont battus pour. J'ai essayé, je lui ai expliqué hein, et tout, mais vas-y, je pense il avait la flemme de blablater avec moi, du coup il m'a dit ouais bah ok, bah force à vous et tout. Je sais pas si c'était sincère. Honnêtement, si c'était sincère, bah je suis choquée, j'ai réussi à faire comprendre quelque chose hein, à quelqu'un qui était plutôt fermé de base. Mais je pense que c'était juste, il avait la flemme de blablater avec moi. Écoutez, en tout cas c'était un très bon moment. Et petit rappel aussi pour ceux qui disent: oui, mais la Pride ça sert à quoi? Nanani nanana, vous croyez vraiment ça va faire arrêter l'homophobie? On met les points sur les i tout de suite. La Gay Pride, c'est déjà, ça sert pour la communauté LGBT. Laissez-moi m'expliquer. Il y a énormément de personnes qui font partie de la communauté LGBT, mais qui n'ont personne à qui s'identifier, qui n'ont personne dans leur entourage qui est gay, bisexuel, transgenre, non-binaire, tout ce que tu veux. Ces personnes-là, elles ont l'impression de se sentir bizarres, différentes, pas normales. Et le fait d'avoir des événements comme la Gay Pride, ça permet de te montrer que waouh, mais en fait, il y a des milliers de gens comme moi dans la rue qui défilent, qui sont fiers de ce qu'ils sont et qui défendent leurs valeurs et qui s'assument et qui sont heureux d'être comme ils sont. Donc ça veut dire que moi aussi, je peux le faire. Et déjà, ça sert à ça la Gay Pride. Enfin, en tout cas, moi, de mon point de vue, je me dis qu'il y a énormément de LGBT, du coup, pour qui ça permet de leur donner un exemple en fait et qu'ils aient le déclic de se dire: mais en fait non, genre il y a plein de gens comme moi, c'est tout à fait normal d'être comme je suis. Enfin, ça permet aux gens de s'accepter beaucoup plus facilement, d'avoir des événements comme ça qui poussent à la représentation. Après aussi la marche des fiertés, j'ai oublié si c'était dans les années 70 ou pas. C'est pas juste on agite des drapeaux LGBT, genre c'est pas ça, c'est pas que ça, il y a énormément de sens derrière ce qu'on fait et les gens ont du mal à le voir comme ça, les gens ont du mal à creuser et de toute façon un homophobe ne voit que ce qui l'arrange. Clairement il va pas chercher à creuser plus loin pour essayer de se remettre en question. Les homophobes malheureusement sont des gens très fermés qui ont du mal à ce qu'on leur fasse entendre quelque chose qui ne leur plaît pas. Donc bon, c'est un peu un dialogue de sourds finalement. Et voilà quoi, je sais pas ce que je peux vous dire d'autre, je pense que j'ai fini mon petit speech. Je rajouterai à l'écran si jamais j'ai oublié de dire des choses qui me viennent pendant le montage. En tout cas, je tiens à vous dire en ce mois des fiertés, en cette fin du mois des fiertés, quand je poste ce vlog, ce sera même plus le mois des fiertés. Purée, profitons de juin hein. Même si c'est plus le mois des fiertés, on continue d'être fiers de ce que nous sommes. Et aussi, je tiens à préciser, les gars, c'est quoi cette histoire? Bien sûr, si vous êtes hétéro, vous pouvez venir. Hein. Y a pas de ouais, mais je suis hétéro, donc je peux pas venir à la Gay Pride. La Gay Pride, c'est pour toutes les personnes qui défendent la cause, qui sont pour l'égalité des personnes, peu importe leur orientation sexuelle, leur genre, etc. Si vous défendez cette cause, que ça vous tient à cœur et que vous êtes hétéro, mais venez en fait. On était un groupe de 4 avec mes potes. Y a littéralement que moi qui étais LGBT. Mes autres potes, elles étaient hétéros et je peux vous dire qu'elles étaient aussi heureuses que moi d'y être. Tu n'as pas besoin de faire partie de la communauté LGBT pour défendre. Je vous invite sincèrement à venir à la Pride, à faire la Pride. C'est un moment magique de partage avec les gens, des gens qui ne sont que bienveillance, vraiment, et bonne humeur. Bref, voilà, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Bah, si, les gars, communauté LGBT ou pas, aimez-vous, soyez fiers de ce que vous êtes, n'ayez pas honte de qui vous êtes. Comme dirait Lady Gaga. Tous des bad bitches, on est tous des rois, des reines, tout ce que tu veux. Soyez fiers de vous, soyez fiers de ce que vous êtes, parce que vous le méritez et que vous êtes des personnes incroyables. Et voilà quoi, n'hésitez pas à liker, commenter, partager si vous le voulez, à vous abonner. N'hésitez pas à me suivre sur Insta et TikTok parce que je fais des choses sympathiques finalement. Et voilà quoi, je vous aime les gars. Bref, cette parenthèse a duré trop longtemps. À une prochaine vidéo, bye!